and Deng Yaoping, four-time Olympic gold medalist in table tennis. En 2001, Deng Yaoping a participé à la candidature de Beijing aux Jeux Olympiques et a aidé la capitale chinoise à obtenir le droit d'accueil de ceux de 2008. Si就是老萨某种程度上跟我讲过这个话，如果奥运会没在中国办过，这是奥林匹克的缺失。所以我觉得这句话是对的，啊，是一个互利共赢的。我们期盼奥运，同时对于一个奥林匹克运动的组织者，他没有到过这么大的一个国家，这么多人口，4亿青少年这样的一个国家来推广奥林匹克运动，我觉得是他的一个缺失。 Deng Yaoping, né en 1973 dans une famille de pongistes dans la province du Henan. À 5 ans, elle commence l'apprentissage du tennis de table avec son père. Elle est très appliquée et son entraînement est particulièrement difficile. Au terme d'efforts inlassables, Deng Yaoping réussit à intégrer l'équipe nationale et a l'opportunité de participer aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Lors des Jeux Olympiques à Barcelone, Deng Yaoping, alors membre principal de l'équipe chinoise de tennis de table, remporte 2 médailles d'or en simple et en double féminin. Aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, elle renouvelle son exploit et devient la première membre de l'équipe olympique chinoise à remporter 4 médailles d'or. 2 ans plus tard, en raison de blessures, Deng Yaoping annonce qu'elle prend sa retraite. Après avoir quitté le gymnase, elle choisit de poursuivre les études. En 2001, alors étudiante au Royaume-Uni, Deng Yaoping revient en Chine pour participer au processus de candidature et à l'organisation des Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. De la petite fille qu'elle était à la pongiste de l'équipe nationale qu'elle est devenue, puis à la membre de l'équipe qui a contribué à gagner le droit d'organiser les Jeux Olympiques, Deng Yaoping a réalisé son rêve et apporté la gloire à la Chine. Elle en tire une grande fierté et une grande gloire. Après les Jeux Olympiques de Beijing, Deng Yaoping termine ses études et obtient un doctorat en économie à l'université de Cambridge en Angleterre. Aujourd'hui, elle évolue dans le monde des affaires et possède un fonds d'investissement dans l'industrie du sport qui porte son nom. Bien qu'elle soit à la retraite depuis 20 ans, Deng Yaoping n'a jamais séparé vie, travail et sport. Elle est également prête à transmettre son expérience et l'esprit sportif chinois aux jeunes d'aujourd'hui. Je pense que nous préférons把我们的这种经验也好、教训也好，传承给我们的年轻人，传承给我们的这个小的队员。我想，这就是奥运精神一代代的相传。